Bonjour Cordon. Bonjour, merci. Cordon, bien sûr, tel ou pas, tout le monde est là pour la télévision. On a battu pour son territoire là pour la télévision. Vous avez un peu d'analyse pour vous dire que vous partez du coup. Vous mettez en solide à l'ingo par le coup parce que vous avez une autre demande. Santé. En tout cas, n'angolu en Zambie, tout ça malam, Zambie c'est son habitus quoi. Fondamentalement, tout ça malam. Donc, dans l'actualité, dis-moi et fais-moi, ici, la République démocratique du Congo, comment on a quatre y a ensemble national, je sais pas, par collègues entre citoyens bosso, na divisé les arbres, parce que nous, moi, la quatre ensemble national, comment on a acte de barbarie à Congo. Bon, Makambu Oyo et les Kani na Assemblée nationale, Ezali Mawamingi, Ezali kopé sa image ya malamute, ya Bakeli Mibeko na Mboka na biso, ya Batu Oyo, ya niveau wana. Batu batangi kelasi, batu ya niveau ya likolo, to benga kabango ba honorable, qui dit honorable, et le bima amwebele. C'est vrai que à travers le monde, ba scène ya violence, ya makofi, ya ko kondongwana, ba scène ya ko kamatana na maloba, na ba parlement ebele ya mokili, to mona rayango. Bitumbe bimaka, batabeta na abama kofi, bafinga naka. Mais na oyo eleki na Assemblée nationale, ezala ki opportunité po eloko wana esalema ndenge wana, po nanini na olobi bongo. Député national de Delice Sanga, aza mutu ya mayele, mutu ya bwanya, mutu oyo na tosaka, na memaka, na pesaka eli memia. Parce que Azam Mutu a maillé parmi les députés. Il y a ma longa Mboka Oyo. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'estime. Envers qui j'ai beaucoup d'estime. Mais Mokolwana, Likambo Oyo se sanga abandaki koloba. Ezala ki c'était pas une infraction. Abandaki ko humilié gouvernement. Abandaki. Ko finga président de la République, tu sais, abandaki ko finga gouvernement sama lukonde te, abandaki ko loba makambu oyo ya solo. Parce que ce que koti yata otali, signification ya mon délinquance. Délinquance, eza le fait que mutu a tosi mobe kote. C'est ça la délinquance. Donc quelqu'un qui a commis un délit, on l'appelle délinquant. Délit ezanine. Délit ezali le fait ya kobo ya koto samibeko oyo ezali pe na sanction na semana yango. Ba benga msu na boka msu benga peine correctionnelle. Donc au salimwa mbeba na ezana sanction. Voilà délit yango. Alors, Moutou, où il a commettre délit, c'est un délinquant. Bah, délit, on a des délits financiers, on a des délits civils, donc bah, délit, on a sorti des délits. Alors, un grand juriste, Moutou, a maillé le local à ses sangs, on a les raisons de la délinquance financière, ce n'est pas une insulte. Mais moi, c'est comme si d'un insulte par rapport à la quotidien, moi, on a délinquance. Non, c'est ça. Non, pour Nangaï, il n'avait pas besoin de retirer Yango. Parce que dans ma cambo, il y a des délits, c'est ça, lobby. Il y a des gens qui ont le côté à quoi ça qui va. Le dépassement, tout le monde, c'est belé. Dans la rubrique, c'est belé, la dépense, c'est belé, je sais le dépassement, c'est ça. Mais le dépasser, c'est synonyme Yako. Qu'on violer mon bel côté. C'est ça aussi une nuance. Oyo. Il faut, moi, bémol, il faut tout y a place. Parce que dépassement est cause se justifier.
bakorda ki crédit boyé pour la rubrique Songolo, na institution Songolo, par exemple, na gouvernement, na ministère, na assemblée nationale, mais ba makambu mususu oyo moyen ya ko éviter yango ezalité makambu et se produire et l'État est obligé à résoudre yango. C'est ainsi que koki commémant na dépassement. Mais ba dépassement ce que comme systématique eko leur moko eko pesa neti et image ya ke comme inko ba sa na ngona nko. Osomona. Donc c'est ainsi que délice sanga l'air à lobi eloko wana. Et ça n'est ni kambu ya gravité. Et ça n'est kambu ya gravité que non a fingi ba kambi ya mboka ke baza bazoba baza maele te. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi moi je pense que réaction ya mbosa ya kosenga a retiré, c'était vraiment sentimental. Mais wana eza na ngambu ya mboso. Mais délice sanga pe na côté na ye. A koki jamais ko se permettre ko qualifier mboso de voyou. Mboso wana zana aje atata na ye. Mboso wana zana aje atata na ye. Yimbo mzo wala bina politique aje. Non! Est-ce que boko kiko imagine ke délice sanga ninga zana po tata na ye Patrice Aimé Séssanga azape politicien. Ako baza ba politicien ma omi bale ako qualifier papa na ye de voyou. C'est qu'en ce moment-là, Aza Mouana Moko Aza mal éduqué. Ce qui a se permettre le fait que Bangounio se baba policier, alors Bana Papa n'est qu'Aza Zoba, Aza voyou, c'est qu'Aza Mouana Moko mal éduqué. Donc, Kosa la ba politicien et Kosa la ba collègue, Nakati Amosala, et Longo la Kaba agité que non, Tokomi Kaka, parce que Tokomi Kaka, politicien, Tokomi ba master Kaka, Tokomi Kosa traité avec familiarité. Non. Ba âge, ba égard, ezakak. Respect envers ba aîné, ezakak. Politique, ezak monde, y a immoralité. Te. Ce n'est pas un monde où yo, soyez ba kotiwana, ba bomi, ba valeur nyoso, où yé sa la kabo moto ya batou. Non. Donc, yango wana, délice sanga, a salaki mabe, il a fait preuve d'une éducation questionnable. Le fait y a ko traité mokolo, tata na ye logo la mbos, wana a qualifié de voyou. En tout cas, il était allé trop loin. Alinga ki abimali sous grand makasi. Ce qui a se comportaka, parce que ça m'a tout boanya, m'a mayele. Ce qui a se comportaka dignement, bat nyo se balinga mona ke. Mais regardez ce monsieur, c'est un grand homme. Bat traité mabe, mais yé à la kissi maturité naïe. Il n'y a que pesa, il n'y a que pesa sous valeur crédit makasi. Mais ami kitisi mingi, tangwa ke yiko kota na terrain wana ya kubanda kofinga, moutou oyo azana aja tata naïe. Mon amour, quand pas de moi, c'est que le métal de quelque part, si beaucoup de tes amis, pas la même ou tout à tout sous, et vous allez vous faire que par ce qu'on a fait, vous avez la capacité de passer du combat. Pour les mots, nous avons un mot et puis moi, des commences à communication, et vous allez compagnie sans vous payer. Bon, Deko, Nabatu Oyo, Bayebi, Namakambu, y a sécurité, na défense, n'engue les caca. Bah, comprenez qui. Position où on a ministre Patrick Muyaya. Il n'y a aucun pays au monde où yo ceux qui armés yamboka songolo et lingi emene ba opération pour na ko attaquer ennemi ba annonçant publiquement na monde que na air songolo na ngonga songolo bino banguna na biso tozo ya ko attaquer bino wana. Ça ne se passe jamais comme ça. Eza makamba benga ka secret défense. Donc, Natango wana oyo nani ministre Patrick Muyaya a salaki déclaration wana, c'est normal que bango il fallait ki babata mamwa muke ba sala effet surprise ba attaquer ennemi par surprise parce que na côté na bango ba ennemi ba il se disait bon en tout cas il loko moko yo sale ma contre bisoté. C'est ainsi que moni tango ba attaquer ba ADF wana. Bah, en tout cas, Moussala Oye Salemina Estiamboka, et ça Moussala Yamonene. Parce que
situation ya ba ADF na na na, na est ya mboka na biso ezani ezana ba complicité na kati ya FARDC ba tu oyo oyo bazalaka ceux qui armé azali ko se préparer pour na ko kende ko attaquer banguna bango ba pesa information yango no monaka e komaka très complexe ya ke armé na biso oyo ze une bonne armée. C'est une armée bien équipée. Na Afrique, ils ont compté parmi sur les 52 États d'Afrique, 54 États, nani armée nabiso, azali côté parmi ba armée yamakasi. Mais ba ADF wana baza combien? C'est pas une guerre classique où y a que non les deux armées moko etelemi kuna, bango ba telemi koto bazo bunda. C'est vraiment ba ben ango guerre asymétrique. Bango bazo sala terrorisme. Voyez-vous, bazali kosala terrorisme. Alors, na mosala o bazali kosala wana pa complicité eza makasi na kati ya FARDC na surtout bana ya mboka ya babeni ba kote nyonso wana. Po ba imboka esengeli ba yebake ba ADF wana bazali composé na bato babengaka ba konzo. Ba konzo wana eza banande ya Uganda. Bango nyoso na batango akala bazalaki na royaume moko e banande wana oya Uganda babenga bango bakonzo ba ikota na kati ya mboka na biso basangana na bandeko na bango ya banande mususu ya kote wana e ils ont trouvé que opération bazali ko sala kuna soko tali ba image mususu o biso totali o mona ke na esika moko oyo ba armée na biso e botoli en collaboration na armée ugandaise bakuti ba bisika oyo babandaki ko emmagasiné ba cacao ba café ba cacao ba richesse belé ya mboka na biso ba minéré ils ont découvert ça là-bas et nyoso wana pona nini parce que complicité ezalaka makasi entre ba jeune nande ya côté wana oyo ba monaké kokota kosangana na ba ADF eza malamu mingi parce que bazo zwa mbongo kuna bazo exploiter ba minéraux et minéraux nezo pesa bango ba mbongo c'est ainsi que ceux qui okeyi na beni okokama modèle oyo ba ndaku ya ba immeuble zo tongama okokama makasi mboka oyo eza présenté na monde mobimba lokola eza enfer mais ceux qui okomi na beni lelo okokama okomona ba mituka minene ba ndaku zo tongama ya ba 5 niveaux 6 niveaux mais comment na zone oyo bitumba oyo mokili mobimba yebike ba bomaka batu chaque jour comment économie boom immobilier ekoki kozala lolengo wana na mboka wana nyonso wana eza koloba nini eza koloba ke économie ya guerre ezali kosala mosala ba homme d'affaires mosusu ya kote wana na ba jeune ya kuna ba chef coutumier ba sangani na ba ADF wana bango ne ba pesa information soki armée a dimiko ya bango ba pesa information yango moni ba te belé oyo ba kangi parce que ba kangi ba te ebelé ba ADF ebelé la plupart ba saba na mboka kote kuna donc c'est ainsi que na stratégie ya défense ministre Muya ya ata na porte-parole ya armée même si bazalaki na information ya ke ba armée ougandaise ekoya bakokaki jamais koloba yango publiquement na ba média lolenge wana donc eza eloko moko compréhensible oyo batu nyonso ya bwanya batu nyonso bayebi ndenge masolo elekaka na bitumba bayebi ke c'était juste une stratégie quoi na mboka lolobi bien boke pito lobi baye de tana bazala bazala ko ba groupe terroriste bazo ko traquer na esa na ko ti ko mais na mikro tu ko le tu ko akize mingi Uganda ina nali comme hôtel ina wana ya massacre ya salama na esa na film no ka ti ko na na to yi sou yango mais boni pesa de bidan ki ka a kouri ka fer bango parce pas ta ki ba to ba ki mara na ngamba Uganda nani pesa de bidan ka ki ko signer accord je sais pas accord militaire na armée ougandaise mais bané ko tabita ka o kan mu de ka kame mi en pe moi en flula bon oyebi na makambo o wana ba makambo e belé lo ba maka yango wana omonaki mokonza mboka Félix Tshisekedi tango akotaki na pouvoir je me souviens encore ezalaki na bajournaliste ya France 24 oyo baposaka question par rapport ya bamilitaire alobaki eloko moko ya motuya alobi ke tango akoti na pouvoir il a trouvé ke bamakambo mosusu batu babandaki ko amplifier yango babandaki kongalisa yango alors ke ezalaki mpenza ndenge wana te
Il en tant que président de la République, il y a un ancien opposant qui s'attaquait beaucoup plus au régime de Kabila. Il avait reconnu, et le Kouana, que Irmoko, Babane, Kongalisa, Makambouana, Makassi, Yabasoda. C'était d'abord na Beni, Bolandaka, ba bombe Oyo. Bombe oyo ba déposaka artisanal oyo ba explosaka na église Songolo ba salaka revendication ya kolobake biso ba terroriste ya état islamique et les cas qui c'était connu de tout le monde. C'est ainsi que mona ki ba mboke belé lelo ils ont compris que makambo oyo Kabila banda lo bakala que ce qui se passe à Beni eza du terrorisme, c'est une vérité parce que état islamique a coquille jamais revendiquer ba tenta ba action o yesa ya yete ba sala kango ndenge wana te. Alors na bamboka nyonso oyo terrorisme ezalaka ba sekwaliza kaka ba sekwaliza parce que likambo terrorisme eza et c'est une affaire transnationale ezo attaquer bamboka ebele ce que tali tokeyi par exemple na Sahel ozomona G5 Sahel wana. Mais ils ont beaucoup de locaux là-bas, Mali, bah Tchad, bah Burkina Faso, bah Nini, bah Sangani, bah Niger, bah Sangani, pour nakobundisa terror, bah terroriste, oh bah Zali, bah côté Oana. C'est la même chose. Ceux qui ils les lo, là-bas Nigeria, bah Nini, ici quand Boko Haram, Azali, ko sévir, là-bas Anne Sardine, bah groupe nyo Oana, bah mboka bah collaboraka, bah pays et collaboraka, parce que menace ya terrorisme, ils ont visé bah État. Batwana problème na bango ezali ya kibalongola ba système o nyoso to na ngo ya ba démocratie oyo ba imposer loi na bango o ya ba musulman wana ah ba musulman nyoso te parce que na kati ya ba musulman pe division zebele ba imposer charia ba sibala taka ba sipaka ba misu ba sala ka ba boye donc bazaka na ba objectif na bango oyo ezali ko kobalana na démocratie te. Alors c'est ainsi que na ba mboka ebele ba sangana ka pona ko bundisa ba terroriste. Donc, le kambo oye salemi entre République démocratique du Congo na République ya Uganda, et ça tout à fait normal parce que Kobo sanate que dernièrement, na mois ya novembre awa, ba terroriste ya État islamique na ba adefwana, ba salaki ba tantan na Kampala, bolanda te ngobino nyoso. Donc, eni koloba ke, même le Rwanda, même l'Uganda, eza na pays moko oyo aza épargné na ba makambu ya terrorisme te. C'est ainsi que le Rwanda, l'Uganda, lui-même, ne peut pas combattre le terrorisme. La République démocratique du Congo ne peut pas combattre à elle seule le terrorisme. Il faut ba sangana, parce que ba toana l'air ba kumaka, ba zoaka, ba koutaka, ba base arrière. Ba terroriste na ba rebelle, bakoki jamais ko évoluer te soki bazana base arrière te soki bazana mabele terrain moko esika songolo bakenda ko bata mate comme batuana de temps en temps tango batraka kabango na fardes ba se replier kana bazamba mususu na Uganda il fallait que finalement ko mettre ba divergence na biso pembeni pona ko bundisa mungu na wana o azali ko attaquer ba mboka nyoso mi bale wana na ndingilo. Non, intérêt. Non, intérêt et oyo ezali wana oyo l'équipe intérêt nyoso ezali d'abord intérêt ya kimia ezali intérêt ya sécurité ezali intérêt ya stabilité parce que ceux qui ba ADF bazali ko boma batu na Uganda bazali ko boma batu na Congo activité économique et ko prospérité. Ba commerçant ba koki ko sala a musala na bango normalement te il faut kimia ezala pour que ki ye ba commerce ba commerce entre ba pays na biso mi balé oyebi ke bana mboka ya côté kuna na ba Beni Butembo ba côté nyonso wana ba sala ka commerce makasi na frontière na biso ya côté ya Kasindi kuna na Uganda. Basalaka ba Uganda bayaka koteka biloko ba Congolais bakenda koteka biloko kuna donc eza ba opération économique ya makasi. C'est ainsi que il faut kimia ezala et bisona ba Rwandais ezala ba Ugandais ezala ba Angolais ba Congolais à Brazzaville ba Centrafricain tous les bamboka o ezanzinga zinga na biso Tanzanie Zambie
Nous sommes condamnés à vivre dans la Kimia parce que nous avons été déplacés pour qu'il y ait des côtés. Ce qui est l'histoire du monde, comment nous avons été en Allemagne ou en France, babunda bambou le belé. Souvenez-vous que Bitumba entre France et l'Angleterre, et ça a 100 ans. Hein? Et ça a 100 ans. Mais finalement, ils sont parvenus à se mettre ensemble. Yakoyokana. Ça veut dire que les Rwandais, les Kotikalaka ka place Bazawana, les Ougandais, les Kotikalaka ka place Zawana, et loko oye le kikimia ezali te. Ce qui l'élo oyo, Ouganda akoki koya, ils ont compris que nous avons intérêt yako bounisa ennemi commun oyo qu'on mettrait hors d'état de nuire. En tout cas, je ne vois pas pourquoi tu as se poser dans le. Et surtout, il faut qu'on y ait insisté dans le loco. Il y a que ba député, ba élu, ba sénateur ou même ba député national. Il y a ba côté Nyonson, côté Ituri, côté Nord Kivu, il y a Beni. Ba senga ki makasi na gouvernement congolais, na président de la République, pour que président Andima, armée FARDC, ba sanganana ba IPDF, armée ougandaise, pour combattre Munguna. Et ça, la recommandation, il y a élu. Donc, le gouvernement central n'a fait qu'accompagner volonté à élu, n'a volonté à peuple, à Kuna, Oyo, à Congolais, à Kuna, Oyo, à la poste à Kimia, Oyo, à Senga, qui est gouvernement, à ça, la nuance pour Kimia, et Kota, à la bâtisse à Kobo, à Batou, à Nenge, à Bando. Donc, tout ce qui est la République du Congo, tout ce qui est en la justice, ce qu'on appelle le Cambodge de justice est sorti à Willy Bakonga. Et quand il y a un peu moins qui est dans la justice, comme on a que ma ministre de la justice, Mme Rose, a cela qui tenu l'ordonnance du chef de l'État pour nous avoir un peu de Willy Bakonga. Parce que Willy Bakonga a pris une ordonnance présidentielle. Mais tout le monde qui dit, madame, a cela qui tenu l'ordonnance, voilà que le baquet est. Bon, les Kambouana et cela qui moi nyamou nyamou et puis compréhension et kota qui moi mon boulot parce que Willy Bakonga conformément ndenge otikolo bango na question na yo na ordonnance oya le 28 juillet oyo mokonzi mboka Félix Tshisekedi asinyaki Willy Bakonga azalaki éligible pour azoa à bénéficier na grâce présidentielle azalaki éligible étant donné que na ordonnance wana makambo nyonso elobamaki polele bato oyo baza condamné na makambo etali corruption bato oyo baza condamné na makambo etali ba viol violence sexuelle bato oyo baza condamné na ba makambo ya blanchiment de capitaux ba crime génocide crime de guerre tout ça bato wana baza concerné te na grâce présidentielle. Mais Willy Bakonga bakanga qui est pour nanini pe bakondana qui est pour nanini. Bakondana qui est le fait que a sala qui transfert illicite ya ba capitaux. Ça veut dire que montant na loi na biso législation na biso ezalaka fixé que moto akoki kovager na mbongo koleka $10,000 te. Mais bakanga qui Willy Bakonga na report ya maya maya avec plus de $10,000 mbongo azaki na ezali $30,000. Et ça, il y a un condamné qui est. C'est ce qui j'ai bien parlé. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il a été condamné. Voyez-vous? Donc, il n'a pas été condamné. Ndenge batumso basa la confusion. Na makambo o etali gratuité de l'enseignement. Procès wana ya makambo etali gratuité de l'enseignement. Na Willy Bakonga et Salemana noté jusque-là. Donc, alors, comme Willy Bakonga a purgé qui déjà une peine. Peine na ye une partie. 6 mois il est qui déjà. Voilà, ça est déjà 6 mois. Donc, peine oyo ndenge ezala ki ke bato bazali konajana mais pas 3 ans tinase bakoki ko libérer bango c'est ainsi que azala ki libéré mais confusion et ya ko salema na lettre au ministre ya justice a komaki ezaya que même ceux qui Willy Bakonga alingaki abima mais il fallait ki ezala na initiative ya procureur général près ya cour de cassation parce que cour de cassation de mutu a condamnaka Willy Bakonga. Ils allaient procurer près à la cour d'appel et à Kinshasa Gombete. Vous savez comment? Donc, c'est pour cette raison-là que le ministre Aloba dit que, comme Willy Bakonga a eu un niveau, il fallait qu'il ait procuré Rwanda
y a après y a cour y a cassation ndé yé akoua ko se charger na dossier wana mais interprétation à ezali boyokani ezali penate entre ba juriste parce que en tant que juriste na yebi très bien que ministère public azayé na monopole ya action publique donc procureur général procureur ezali à cour d'appel il pouvait aussi na il pouvait aussi co-exécuter ordonnance à président de la République wana. Donc c'est voilà pourquoi je pense que problème ya Willy Bakonga ezali problème oyo il y a incompréhension il y a interprétation il y a ba texte mais sinon Willy Bakonga azali éligible na grâce présidentielle wana. Bien mon mboka story de bien amoké bi toujours un dossier au ici montant la ma nomination par mandataire public qui comporte les journalistes absolument na jong toujours nous sommes mandataire public au niveau de nomination mandataire public donc quand il politique va avoir dans ma poste et portefeuille. Bon, en tout cas, souhait Nabiso, c'est-à-dire que l'entreprise publique est commentée bisika oyo, baï politique, ba kokendaka ko s'enrichir. Ce n'est pas ça notre souhait. Nous voulons que l'entreprise publique, dans l'avenir, est à la diriger na batu oyo, ba yebi mosala wana. Oyo ba travailler dans le secteur wana, oyo ba maîtriser le secteur wana. Mais dans le contexte politique, oyo to yebi ke depuis bamboule belé na kati ya mboka na biso, ba politicien ba kabolaka ba poste wana. Ba kabolaka ba poste wana par rapport ya nombre ya ba député oyo famille Songolo et même na kati ya majorité parlementaire. Et il y a eu des négociations entre majorité parlementaire oyo to na ngosi koyo batu mususu bazwa ki ba occasion ya kokende na gouvernement te il y a eu ba koko et salama ki ke même dans les entreprises publiques ba koka ki ko récompenser batu mususu wana eza réalité ya mboka to ko kite koloba ke tshiseke di lelo oyo aloba non non parce que je suis le chef de l'état il faut na s'imposer kaka pour que na parlement kuna boyokani eza la société mboka ekota na kati ya ya instabilité toza na posa ya likambo wana te à quelques après de deux ans ya fin ya mandat ya Tshisekedi. Nous voulons que ma institution est à la stable tokende ti na maponomi au lieu ya que non Tshisekedi ya ko le msu tango ba député ba kolongwa majorité za na assemblée nationale te ba ya ko dissoudre parlement assemblée nationale. Nous en avons besoin à Makambo Anate. Alors, ce que nous pouvons privilégier, c'est que même si on peut mettre les politiciens là-bas, mais l'essentiel est que, bah, gérer Malamou, bah, s'enrichir, bah, corruption, bah, avantages illégaux, bah, respecter les mboka, et j'ai face à la Moussa Anaye, Assemblée nationale, à la Moussa Anaye, à contrôler, bah, ba gestionnaire na ba mandataire. On a pour ya on a pour ka aber ni mana tete gani ka mbele sema ni mo kile ni pa ba ni mbele 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 to mo na pe tete ni da ta tete ba ni ko mo na pa ko aber ni mana na. Bon oyebi Albert Yuma asali makambo ebele ba dossier eza ebele contre Albert Yuma na lo lenge akambaje kamini. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a Ndenge, comment il a vendu les actifs miniers dans la société XY, comment ils se sont fait beaucoup de millions, Bakambouille Obama Ebele sur Albert Yuma. Alors, il était temps qu'il y ait changement de leadership à la tête de Yagé Kamine, mais malheureusement, je constate que Albert Yuma, avant, à Longan Yagé Kamine, il est à la tête d'une autre grande entreprise, entreprise générale, il y a Cobalt. Et je sais. Donc, le logo yo cobalt est un minerai stratégique dans le monde. Tant que le makambo mingi mingi ya transition énergétique, cobalt n'est mutezo sunga pona ko fabriquer ba batterie ya ba voiture électrique et tout ça oyo le logo est allé ko remplacer ba voiture ba batterie ya ba voiture auto d'ailleurs comment le logo est na ba na ba makambo est allé ba avion na ba logo mususu. Alors, mais tant que bazui Albert Yuma à la tête, il y a entreprise wana, il y a cobalt. En tout cas, tokolinga toze la tomona ndenge akosala musala. Mais il faut aussi noter que malgré ba point, il y a mabe ebele na gestion, il y a Albert Yuma,
mais nous devons aussi reconnaître que Albert Yuma a sali Mosala Yamakasi na révision ya code minier. Il a fait un grand travail là-bas. Le lot Oyo, s'il y a un cadeau Oyo Kabila Atike là-bas congolais, et Zali code minier Oyo Tozana yango le lot. C'était vraiment du patriotisme économique et loko Oyo Kabila Salakiwana. Mais celui qui était à la base, il y a que Banamboka, Babanda ko bénéficier quand même na ba mbongo Oyo Tana exploitation, notamment ya cobalt, tu vois. Na code minier va revoir un peu pourcentage na ba dividende au mboke ko tiré. Albert Yuma a joué rôle munene. C'est ainsi que omoni ba entreprise ebele ezala ba Glencore, ba entreprise oyo exploitaka ba minerai na Katanga, ba KCC, ba nini, ba telemelaka Kabila makasi, ba telemelaka Kabila. Et même ce que tali makambo ya Congo hold up oyo rapport oyo bimina ba on gêne les médias internationaux. C'est vrai que nous sommes à l'écoute, mais il y a aussi n'importe quoi dans le rapport Rwanda. Bon, en tout cas, ce que vous avez dit, rapport Rwanda, c'est un sujet à mon côté. Vous avez dit que vous avez commis rapport Rwanda. Ils n'ont pas affirmé que vous avez dit conditionnel. C'est que vous avez dit que vous avez dit que parce que peut-être que le procès va commettre un conditionnel. Biso ba journaliste, si on a une ligne pour la Mutuguzoba, et à la Mbosso, et à la Nani, n'a pas utilisé conditionnel. Dans le bille, bon, Mbosso aurait détourné 30 millions de dollars de l'Assemblée nationale. Et il dit, Mbosso a détourné. L'air, il a dit, non, il aurait utilisé conditionnel. Et ça, le lingue, oyo. Bah, journaliste, bah, ça, là, donc, dans le rapport, on attend où tu examines, il y a dit n'importe quoi dans le rapport. Wana, et on a compris qu'à un moment donné, il y a eu une volonté manifeste de régler le compte de Kabila, na le lingue, à Salaki que entreprise minière, wana aux alimini na katanga kuna ba banda ko gagner et belé teninga banda ko sala ngo par l'avenir dans le passé. Mais c'est aussi reconnaître que na kati enquête wana il y a aussi des vérités qui sont là-bas, parce que lorsque vous voyez ba transaction ndenge salemi virement bancaire mususu entre banque centrale na BGF bank ba compte mususu kuna, donc ça démontre que à un moment donné il y a eu aussi des choses pas très claires na kati ya gestion. Il y a Bamboula Oyo, surtout dans l'opération financière Oyo, dans la banque. En tout cas, dans ce pays, je suis très heureux de vous parler dans le Congo Live. Je suis très heureux de Kitoko, parler dans le Congo to Je suis très heureux de vous parler dans le Congo Live. Merci beaucoup. Merci.